j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un BTS d'analyse de biologie médicale que j'ai pas obtenu. Et donc derrière, après, bah, j'ai fait de l'intérim. Donc il y a des mois où j'étais au chômage. Du coup, j'ai connu le SMV grâce à Pôle emploi. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. On nous apprend ce que c'est un militaire, comment se comporter. À partir de là, quand on a choisi notre filière, donc je suis moniteur de conduite, n'importe quel volontaire expert sera amené à encadrer un volontaire stagiaire. Le métier de moniteur, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Le fait d'inculquer son savoir aux jeunes qui vraiment ils viennent, ils savent pas du tout conduire, ils ont jamais touché un volant. Et en 3 semaines, bah, du coup, ils ressortent avec le permis. Le SMV m'a proposé, au bout de 3 ans de contrat de volontaire expert, de faire une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, pour pouvoir avoir l'équivalent du diplôme de moniteur dans le civil. La première chose, c'est d'être volontaire. Il faut avoir envie de s'en sortir, envie de faire quelque chose de sa vie. Et surtout, en tant que volontaire expert, il faut avoir envie de transmettre son savoir aux gens. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de gratifiant, en fait. Je me sens vraiment utile.